والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. Pour bien comprendre ça, ils jouissent, ils prennent plaisir et ils mangent comme mangent les animaux, les bestiaux. Il n'y a pas de contrôle. C'est une invitation à méditer sur le sens de la liberté dans l'islam. Peut-être que, en apparence, là-bas, tu as l'impression que cette personne est libre et que toi, tu es en prison. Mais en fait, tu es libre, toi. Mais tu ne sais pas où tu n'en as pas encore pris conscience. Parce que en te soumettant à Allah Ta'ala, tu te libères de ce bas monde. Tu te libères de son emprise. Alors que la personne que tu vois là-bas qui, en apparence, est libre, cette personne-là, en fait, est esclave de ses passions.